80, émission spéciale ce matin. Alors que l'émission n'est pas encore commencée, les messages arrivent déjà sur les écrans des studios. Je vais donc passer le bonjour à Pauline, Charles, Karine, Mélanie, Corinne, et on va traverser les frontières pour donner le bonjour à Momo qui nous écoute ce matin à Marrakech. Sur Made in 80, il est 10h. Made in 80, 80s Music Radio. Made in 80, 80s Music Radio. Made in 80. Bonjour, bonne matinée, samedi 1er mai, émission spéciale autour du coffret 5 CD Génération Souvenir, son tube oublié des années 80. Jour férié, nous sommes donc payés double, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, on va également doubler les animateurs ce matin. On va retrouver le studio numéro 1 de Made in 80. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent, tu vas bien? La grande forme et toi? Merci, ça va très bien. La cerise sur le gâteau ce matin, on a notre star des années 80 qui va être un véritable fil rouge, qui va nous donner plein d'informations, d'anecdotes. Bonjour, coucou La Roche-Valmont. Coucou les cocos. Alors je suis une cerise sur le gâteau, là, ça va pas, là, je suis... Ah si, si, tu es notre cerise, tu es une vraie cerise. On va te croquer bon. Ce matin, La Roche, pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Made in 80 pour présenter ce coffret 5 CD, ça va être une vraie joie, on va écouter plein de morceaux et d'anecdotes. Et pour commencer, cher La Roche-Valmont, peux-tu nous dire déjà la signification, qu'est-ce qu'un follow-up? Eh bien oui, cette expression m'est revenue en écoutant là, ce coffret avec des tubes soi-disant oubliés, ou en tout cas qui ne sont plus trop dans la mémoire. C'est que dans les années 80, quand on faisait un tube comme t'as le Loup Coco, les producteurs et tous les gens autour de nous disaient... Pour le suivant, il faut absolument faire le même style de chanson, le même tempo pour que les DJ puissent l'enchaîner avec le tube. Et puis, on disait même en plaisantant, tu reprends les mêmes notes, tu les mets dans un ordre différent. Mais bon, évidemment, ça marchait pas, ça marchait beaucoup moins bien. Ça a été le sort de Ton signe à toi, c'est quoi, qui était pourtant produit par les Gibson Brothers, comme t'as le Loup Coco. C'est beaucoup passé en radio et en télé sur la lancée du premier tube, mais ça n'a pas été le succès que nous espérions. Bon, ça a été pendant 2 ans... l'indicatif de l'horoscope du morning d'énergie, et puis c'est retombé dans les oubliettes jusqu'à maintenant, contrairement à le Loup Coco. Alors je suis pas le seul dans ce cas, et c'est le cas par exemple de Mamie Yoko. Rose Laurence a voulu passer de l'Afrique au Japon, mais si Africa s'est vendu 1 million d'exemplaires, Mamie Yoko n'a pas eu non plus le même succès que son tube. On commence avec Ton signe à toi, c'est quoi? La version originale La Roche-Valmont sur Made in 80. Nous sommes en 1985. À tout de suite, La Roche-Valmont. We'll be right back.
sur Made in 80. Des années 80 autour de Rose Laurence, Mamie Yoko, émission spéciale autour des 100 tubes oubliés des années 80, et j'ai des réactions du côté auditeur qui me dit oh c'est pas si oublié que ça, puisqu'on l'entend effectivement assez souvent sur Made in 80. La forme toujours, la Roche Valmont avec nous en direct live sur Made in 80. Exactement, et d'ailleurs on devrait renommer ce coffret « 100 tubes pas si oubliés que ça » des années 80, exactement. Surtout par les auditeurs de Made in 80. Exactement. Desireless, ça va être la suite du programme musical de cette compilation avec John. Une anecdote, La Roche-Valmont ? Ah ben écoute, c'est le même sort que beaucoup de chansons qu'on appelle donc follow-up, c'est-à-dire après le succès de Voyage Voyage en 1986 dans de nombreux pays européens, puis même jusqu'en Amérique latine où il est disque d'or, Desireless fait le tour du monde pour assurer la promo, fait beaucoup de galas, de concerts, de télévision, et c'est que 2 ans après qu'elle sort John, son follow-up. Alors évidemment, là, les goûts du public avaient beaucoup évolué. Dans les années 80, chaque année, on avait de nouvelles chansons, même de nouveaux styles. Et là, il y avait Vanessa Paradis qui a été un raz-de-marée avec Joe le Taxi, en même temps que Gash Paty avec Étienne ou Gérard Blanc avec Une autre histoire. Ça a complètement changé un peu le panorama musical, et John, bon, bah, était que disque d'argent, ce qui est déjà bien, hein, mais c'est un peu le sort de l'ensemble des follow-up. Alors, dans les années 2000, on peut dire que John est complètement éclipsé par Voyage Voyage.
Desireless a fait beaucoup de tournées, en particulier les Star 80. Elle est même dans le film, l'une des stars de Star 80. Et puis, depuis un an, elle a pris sa retraite. Alors, elle est à fond dans son potager bio. Et elle nous a annoncé qu'elle fait un grand ménage de printemps. Elle vend tout à 10 euros sur son site desireless.net. Alors, si vous voulez faire de bonnes affaires, elle vend les CD. Alors, non pas les CD originaux, mais tout ce qu'elle a fait depuis une dizaine d'années en production indépendante. Et puis aussi, elle a fait plein de livres. Elle appelait de méditage, de relaxage. Elle était partie un peu zen. Et bio, et c'était d'ailleurs intéressant parce que c'était avec une clé USB en plus pour ceux qui n'avaient pas le courage de lire. Donc voilà, c'est la grande braderie de printemps. Merci La Roche-Valmont. Du côté de Cédric, quelles sont les modalités du standard, des mails, etc. Cédric, puisque ce matin on va faire gagner aussi beaucoup de coffrets 5 CD Génération Souvenir, tu peux nous rappeler toutes ces modalités, cher Cédric? Oui, Laurent, donc il suffit de téléphoner au 07 68 054 055 ou d'envoyer un SMS, on vous rappelle juste après. Vous pouvez réagir également sur Facebook, Facebook Made in Radio, où vous pouvez réagir à l'ensemble des posts qui sont sur ce Facebook. Et d'ailleurs, nous avons des likes et des messages de Jérémy, Cyril, Anne et également de Gaël de Dijon qui vous adore, La Roche-Valmont. Ah bah écoute, Gaël, bonjour, bonjour. John, voici après Gaël, c'est John Desireless sur Méline 80. À tout de suite pour l'émission spéciale sans tube oublié des années 80 sur Méline 80.
deuxième 45 tours de Stéphanie de Monaco. C'était Flash sur Made in 80. La Roche-Valmont est avec nous ce matin pour cette émission spéciale années 80. Ça va, La Roche? Ça va très bien. Ça me donne un petit coup de blues quand je réentends tous ces titres qui sont peut-être un peu oubliés, mais qui étaient passés énormément. Et c'était donc le cas de Steph de Monac, qui n'avait même pas attendu que Ouragan sorte du top 50 et continue à être progressivement sur l'ensemble des radios, des télés dans toute l'Europe pour sortir Flash. Alors malgré un maxi remixé par Gérard Blanc et un super clip avec des effets spéciaux comme on en faisait cette année-là, ça a été plutôt un petit orage qu'un ouragan. Donc c'est le même sort que beaucoup de follow-up, disques d'argent et puis surtout trois petits 45 tours et puis s'en vont. On n'a plus entendu beaucoup parler de Steph de Monac. En revanche, on a encore entendu jusque cette année beaucoup parler des Démons de Minuit qui sont sortis l'année suivant Flash. Et des disques de platine qu'avait été obtenu par le groupe Image a été suivi par Corps à Corps, mais qui ressemble trop pour s'imposer et qui sera lui aussi disque d'argent. Mais enfin bon, en tout cas, moi pour le fun, je recommande d'aller sur YouTube visionner le clip Kitschissime de mon copain Mario, qui est un roi africain d'une tribu cannibale. Ça vaut son pesant de noix de coco. Alors, ce qui est intéressant de noter dans l'histoire du groupe Image, c'est que quelques mois après la sortie des Démons de Minuit, qu'ils ont coécrit, les frères Christophe et Stéphane Després ont quitté le groupe. Et ils se sont associés avec une chanteuse, Cathy Lajoux, pour créer le groupe Pacifique qui sortira en 89, Quand tu serres mon corps, qui lui aussi a été disque d'or. Voilà. Du corps à corps, Quand tu serres mon corps, eh bien, c'est la programmation que je vous propose tout de suite sur Made in 80, Image suivie de Pacifique. Et côté standard, ça réagit, Cédric? Ça réagit beaucoup, beaucoup de bonnes réactions et de questions. On fera peut-être un petit question-réponse si on a le temps dans cette émission. Je vous rappelle que pour gagner vos compilations 5 CD sans tubes oubliés des années 80, inscrivez-vous par SMS au 07 68 054 055. Si on vous rappelle, vous remportez votre compilation. Merci Cédric, à tout de suite. Image corps à corps sur Made in 80. Dans
de l'amour en liberté. De toi, j'ai appris à subir la loi, esclave de tes bras. En 1989, le groupe Pacific, Quand tu serres mon corps. La Rose Valmont en fil rouge de cette émission spéciale avec Cédric Hureau au studio numéro 1. Ça se passe bien du côté standard. On s'inscrit toujours par SMS pour gagner vos compilations au 07 68 054 055. La Rose Valmont va nous parler de la suite avec Du soleil dans la nuit. Oui, Gérard Blanc, après une autre histoire, qui a en plus eu un grand prix de la SACEM, a sorti une chanson l'été suivant qui était, à mon avis, aussi forte, mais comme souvent, le public est moins au rendez-vous. Il restera 21 semaines dans le top 50, mais dépassera pas la 10e place. Il vendra deux fois moins. Bon. Mais comme l'a raconté Brigitte Blanc, il a gardé un souvenir d'ailleurs assez mitigé, mais alors, en définitive c'était une bonne expérience. C'est pendant le tournage du clip au Portugal, il a surtout eu la plus grande froidure de sa vie. Il a dû se jeter dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique pour les besoins d'un scénario digne d'une série policière, car à l'époque, les clips devenaient de plus en plus des petits films pour passer sur les nouvelles télés qui se créaient au fur et à mesure qu'il y avait de plus en plus de chansons diverses qui se produisaient. En 1987, il y a eu plus de 545 tours de nouveaux chanteurs qui sont sortis. Alors,
tous les chanteurs n'ont pas le même sort. Jean-Pierre Madère, lui, a connu une progression différente. Il a sorti en 84 Disparu, qui a été disque d'argent, et l'année suivante Macumba est disque d'or. Donc ensuite, il n'a pas réussi le tiercé dans l'ordre ou dans le désordre. Le 45 tours suivant, c'était un pied devant l'autre. Ça s'est vendu à simplement 80 000 exemplaires. Et pourtant, c'était mixé également dans un célèbre studio d'Italo Disco à Rimini. Ça a été beaucoup programmé en radio. Il a même fait une tournée podium européen célèbre. Podium d'été avec Michel Drucker, toujours présent. Toujours là. Qui présentait là. Ouais, toujours là, si tu m'écoutes. Et les tournées d'été, cette année, c'est raté. Comme moi, Jean-Pierre ne pourra pas faire la tournée Star 80, mais il a un projet avec la Fondation EDF sur les villages qui ont été engloutis dans les années 50 pour construire des barrages hydroélectriques. Et il sort dans quelques jours un EP avec des voix de témoins sur une musique qu'il a composée et des chansons sur le thème de ces villages engloutis. Et il sera en concert dans différents lieux de mémoire, là où il y avait ces villages, en Corrèze et dans les Alpes. Alors, il chantera et en même temps, il accompagne en fond sonore un ami qui lira des textes. Merci Laroche Valmont pour ces anecdotes croustillantes. Cédric, la forme du côté des auditeurs, des bonjours peut-être à passer? Oui, Laurent, des bonjours de Cindy, de Carcassonne, et également beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent gagner des compilations 5 CD sans tube oublié. Donc il suffit d'envoyer un SMS au 07 68 054 055, et on pourra peut-être appeler un gagnant d'ici quelques minutes, Laurent. Allez, on fait ça. Dans quelques instants, on se retrouve après Gérard Blanc, Du Soleil dans la Nuit, et Jean-Pierre Madère, Un Pied devant l'Autre, et un gagnant d'une compilation 100% années 80, compilation sans tube oublié des années 80. A tout de suite sur Made in 80.
Chut! Je viens de découvrir une radio qui ne diffuse pas de pub. Pas de pub et que des tubes des années 80. Elle s'appelle Made in 80. Elle me rend complètement dingue. Écoute ça. Vous le connaissez bien, Jean-Pierre Madère, un pied devant l'autre. Ah, que d'anecdotes ce matin avec La Roche Valmont sur la radio officielle des années 80. La Roche, ça va ? Ça va, ça va. Quand j'écoute un pied devant l'autre, je me demande pourquoi ça n'a pas eu autant de succès et pourquoi on l'a un peu oublié. Ça me semble aussi fort que disparu, mais bon, Jean-Pierre, lui, n'est jamais arrivé à l'imposer sur des plateaux comme Star 80, car le public vient avant tout pour écouter les méga-tubes que sont des chansons comme Macumba. Mais bon, c'est le sort... De certaines chansons qui passent des décennies et pas d'autres. Et pourtant, donc, on avait suivi en principe le conseil qu'on nous disait de faire un follow-up un peu dans le même esprit, mais c'était pas forcément un gage de succès. Et c'est rarement mieux quand tu changes complètement de style, ça peut dérouter le public, les radios, les télévisions. Et par exemple, le slow Jardin d'enfants a dû décontenancer les fans de début de soirée. Après Nuit de folie, qui a été disque de platine, La vie la nuit, qui a été disque d'or. Donc ce slow, en plus, qui s'adressait plutôt aux enfants, a priori, n'a été que disque d'argent. Et en revenant à une chanson dansante pour le 45 tours suivant, qui s'appelle Chance, bon, ils n'ont pas eu plus de chance, même encore moins. Bon, inversement, c'est pas facile pour Jackie Coase d'imposer un titre rapide comme Vivre ailleurs, alors qu'elle était surtout célèbre pour une chanson mid-tempo, genre mise au point, quoi.
Mais elle avait pourtant rien à envier au tube de Jeanne Masse et Julie Pietri qui occupaient les premières places du top 50 l'année 86. Ceci étant, Vivre ailleurs atteindra seulement la 11e place du top 50. Malgré une voix puissante, particulièrement bien mise en valeur par une composition, une production du groupe suédois multi-récidiviste de tubes, oui. Secret Service. Exactement. Merci La Roche-Valmont. Et Cédric, me semble, on prend un gagnant. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un gagnant, on fait gagner une compilation 5 coffrets. Cédric? Eh oui, Laurent, nous avons un... perds ma voix. Laurent et La Roche, je vous emmène, si vous voulez bien, dans la belle ville de Nîmes, à la rencontre de Jérémy. Jérémy, mais quelle est votre radio préférée? La Edine 80. si avec une belle réponse comme ça, on ne fait pas gagner un cadeau, Laurent, je ne sais pas quoi. Allez, c'est gagné, Jérémy. La compilation va partir du côté de Nîmes avec les sons tubes oubliés des années 80. Jérémy, je vous reprends bien sûr hors antenne pour prendre toutes vos coordonnées. Et continuez à envoyer vos SMS au 07 68 054 055. Et on va prendre des autres gagnants, Laurent, hein, bien sûr. A tout de suite sur Made in 80. On enchaîne avec Jardin d'enfants, début de soirée sur Made in 80. Enfin, aidé par les ailes du vent. Si la nuit, parmi les étoiles, veut nous laisser le temps. Enfants de rêve, quand les fêtes s'achèvent, nous refusons le vide devant. On barre la peine de ces heures pleines que la vie conjugue au présent. Elle chante encore plus fort dans le corps des gens. Pour nos rêves de géants. Oh,
classement numéro 1 sur les années 80. Made in 80, nous sommes en direct. Made in 80. J'adore ce titre, Vivre ailleurs de Jackie Quartz, n'est-ce pas, La Roche-Valmont? Super voix, c'est incompréhensible que ça n'ait pas été un tube j'adore. Aussi fort. J'adore, sincèrement j'adore. On le passe tout le temps, ouais. Il est en diffusion en permanence sur Made in 80. Il est en réelle playlist et pour le coup, il n'est pas oublié sur Made in 80, celui-ci. Et ni d'ailleurs... dans le cœur de beaucoup de fans de Jackie Quartz, qui la chante quand elle fait des concerts. Tout à fait. Et tout avec à fait. Beaucoup de succès. Du côté standard, une gagnante, me semble-t-il, Cédric. Allez, Laurent et Laroche, je vous emmène ce coup-ci dans la Vienne à la rencontre de Karine. Karine qui, hors antenne, me confiait le nom de son artiste préféré des années 80. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Mon artiste préféré depuis mon adolescence, on va dire, c'est Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère, qui nous a fait l'honneur de d'être avec nous sur Made in 80. On peut retrouver d'ailleurs son interview sur madein80.fr. Et aujourd'hui, nous avons La Roche-Valmont. Un petit coucou à La Roche-Valmont, Karine. Oui, un petit coucou que j'adore aussi parce que je lui ai fait parvenir un calendrier que j'ai fabriqué pour les soutenir un petit peu. Et puis moi, comme je suis très fan de Star 80, je leur ai dédié un calendrier personnalisé avec une page dédiée à chacun avec leur date d'anniversaire et une photo de eux. Donc j'avais fait parvenir un à
Jean-Quentin. Salut Karine, bonjour. On va croire que c'est du copinage. Je savais pas que tu allais intervenir, mais effectivement, tu es certainement l'une des fans des années 80 qui est la plus présente sur les réseaux sociaux et sur les radios. Donc, et je te remercie à nouveau pour ce calendrier, effectivement, qui est fort bien réalisé. Et tu sais que je te l'ai dit, que je suis un spécialiste de calendrier, puisque j'en ai fait deux dans une autre vie où j'étais éditeur, en particulier sur Michael Jackson et Johnny Hallyday, et je trouve que le tien est très bien réalisé. Alors toi, tu as de la chance, La Roche-Valmont, d'avoir reçu un calendrier. Je suis émue un petit peu. et moi, j'ai eu aussi de la chance, puisque par SMS, Karine nous a envoyé un beau bouquet de muguet. Merci beaucoup, Karine. Et Karine, elle a de la chance aussi, parce qu'elle remporte le coffret 5 CD sans tube oubliés des années 80, qu'elle connaît absolument par cœur. Merci à Karine, à très bientôt sur Made in 80 et sur la tournée prochaine de Star 80. La Roche-Valmont, les musiques noires, ça te parle, Thierry Pastor? Eh oui, ça me parle, ça parle aussi au public quand Thierry Pastor la joue en concert, ça a toujours beaucoup de succès. Mais comme beaucoup de chansons plus lentes, dans les années 80, c'est beaucoup plus difficile d'être programmé, et en particulier sur les radios telles qu'Énergie, qui émet beaucoup tout ce qui était dance music. En plus, ce genre de chansons ne passe pas dans les discothèques, très peu dans les fêtes de famille, ce qui fait qu'on a tendance à un petit peu moins s'en souvenir. En plus, dans les années 2010-2020, la plupart des radios préfèrent aussi passer des chansons rapides. C'est pareil pour les concerts années 80. On engage plutôt des artistes qui ont des tubes festifs pour mettre de l'ambiance. Alors, c'était le cas de Thierry Pastor, puisqu'il avait, en 1981, un super tube coup de folie. Mais il a eu du mal à mettre sur la tournée Star 80, sur des musiques noires. On préférait toujours enchaîner les tubes dance, voilà. Mais c'est pas plus facile quand une chanson lente est interprétée par une superstar telle que Alain Delon. C'était le cas de Comme au cinéma, qui avait pourtant une musique signée par le compositeur de Jeanne Masse et Stéphanie de Monaco, Romano Musumara. Puis il y avait surtout un super clip réalisé à Tenerife, comme au cinéma, avec d'énormes moyens financiers. Ça n'a pas suffi pour rentrer au top 50, mais Alain Delon n'a pas tout perdu. C'est sur le tournage du clip qu'il rencontre une certaine Rosalie, qui était figurante, et avec qui il aura deux enfants, donc... tu sais leur prénom, oui. Forcément, Anouchka et Alain Fabien, qui sont très présents à nouveau, qui ont pris la relève. Super. Merci, La Roche-Valmont. Thierry Pastor des Idées Noires, juste après le top horaire. Allez, on t'embauche en tant qu'animateur, on te laisse annoncer le top horaire sur Méline 80, La Roche-Valmont. Au troisième top, il est 11h. Made in 80, 80's Music Radio. Made in 80, 80's Music Radio. Thank you.
playlist de Made in 80, c'est une décennie de tubes. Mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je changerai pas. Pourrait changer le scénario. Comme au cinéma. Mise au point sur moi. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Manque de chaleur, c'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je ne suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. Le projecteur, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. Le projecteur, coupé moteur, c'est trop dangereux pour le cœur. Je voudrais simplement qu'un jour, tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras restent à leur place, et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie et on s'écrirait un roman. Allez, viens. Ferme les yeux. Et sur l'écran de mes paupières closes. Alors, certainement, toi, tu verras quelque chose. Sur la radio officielle des années 80. Le cinéma nous manque, comme au cinéma, c'était Alain Delon, La Roche-Valmont en fil rouge de cette émission spéciale sur Made in 80. À quoi te fait penser le cinéma, La Roche? Le cinéma me fait penser à un film comique qui s'appelle Comeback. Ah oui. Avec Hugh Grant qui joue Salon. Le rôle d'un chanteur qui a fait juste un tube et qui essaye de revenir. Excellent. Et en dehors du thème qui peut me faire penser à certaines personnes comme moi, c'est vraiment très très drôle. Voilà. Et très, j'en recommande
à tous nos auditeurs. Le prochain titre sera Liverpool de Patsy, qu'on a reçu en interview sur Made in 80. Tu peux nous raconter quelques anecdotes ou l'histoire de ce titre de Patsy, La Roche Valmont? Alors, oui, enfin, en tout cas, c'est encore une chanson lente, pas facile à sortir. Alors, Patsy m'a confirmé que c'est pas une fake news Wikipédia. Elle a vraiment enregistré Liverpool en maquette. Elle avait que 15 ans. Et pendant 2 ans, son producteur a fait le tour des maisons de disques, mais aucune n'a été intéressée. Donc, il y a eu un concours de circonstances. Il avait laissé la cassette dans le label de Gesh Patti. Et il se trouve que les employés aimaient cette chanson et la passaient, au point que le directeur artistique, qui n'avait pas dû écouter vraiment bien la chanson, la remarque et décide de la sortir. Et c'est comme ça que Liverpool est entré pour 13 semaines dans le top 50, donc simplement en novembre 88. Quant à Gérard Berliner, il a composé Louise rapidement en 2 heures, mais lui aussi, il a mis beaucoup de temps pour trouver une maison de disques. Faut dire que la chanson était complètement hors de ce qui se faisait à l'époque. C'était une chanson réaliste, en plus elle faisait 4 minutes 50 alors qu'on nous disait il faut pas que ça fasse plus de 3 minutes pour pouvoir passer sur les radios FM. Et en 82, il y avait surtout des chansons comme Chacun fait ce qui lui plaît ou Tape sur des bambous devaient plus plaire a priori. Mais pourtant, ce sera un succès de l'été qui sera résolument slow cette année-là avec un ovni gainsbourgien, Monaco, 28 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice et puis surtout Les Corons de Pierre Bachelet. Quelle culture, La Roche Valmont. Merci pour cette anecdote, ces histoires autour de ce magnifique tube qu'on va écouter dans un instant, Liverpool de Patsy. Et Cédric, il y a une question pour toi, La Roche Valmont, une question d'auditeur. Alors, on salue depuis les réseaux sociaux. On fait un petit coucou à Cécile, Marion, Estelle. L'agente féminine a répondu présente ce matin. Ça, c'est l'effet La Roche Valmont. Et effectivement, Laurent, une question d'Hervé à La Roche Valmont. Hervé vous demande si ce n'est pas frustrant d'être connu pour un tube qui passe les décennies alors que vous avez composé d'autres tubes tout aussi bien. Alors, c'est frustrant dans un premier temps. Aussi dans un deuxième, un troisième, et puis quand arrive dans les années 2000 tout un revival autour des années 80 et que il se monte une tournée comme Star 80 où on est pris en tant qu'artiste, évidemment grâce à T'as le loup Coco en ce qui me concerne, mais qu'on arrive à faire un spectacle complet avec des danseurs, des effets spéciaux, comme on n'en avait jamais fait dans les années 80 où on passait dans des discothèques ou des salles qui n'étaient pas du tout adaptées à des concerts, on prend un grand plaisir et on prend même plus de plaisir à devenir chanteur dans une troupe et de reprendre d'autres chansons. Et non, ça n'est pas frustrant. Alors encore moins en tant qu'auteur de T'as le loup Coco, puisque j'ai eu la chance que ça ait été repris par de nombreuses dans de nombreux pays par de nombreux artistes et donc je me dois de faire connaître ces chansons et ces différentes versions et ça continue. Là on est en train de préparer un clip qui sort dans quelques jours qui est un remix cubano de T'as le loup Coco. D'accord, très bien. Au Liverpool avec Patsy, c'est tout de suite comme promis sur Made in 80. A tout de suite pour cette émission spéciale autour de la compilation Génération Souvenir. Jaune éteint. Il y a des jours qu'on
fait revivre le meilleur de vos souvenirs. C'était dans les années 80. Mais qui a soulagé sa peine? Porter son bois, porter les seaux, faire une écharpe de laine. Le jour de la foire aux chevaux. Mais qui a pris soin de son âme et l'a bercée dans son lit, qui l'a traitée comme une femme au moins une fois dans sa vie. Le bois que porte Louis, c'est le bon Dieu qui le portait. Le froid dont souffrait Louis, c'est le bon Dieu qui le souffrait. Ce n'était qu'un homme des équipes, du chantier des chemins de fer, à leur laisser aux domestiques. Elle leur joignait près des barrières. Me voudras-tu, moi qui sais coudre, signer mon nom et puis compter l'homme à sa taille sur la route, passer son bras, la promener, et l'amour qui tenait Louis, c'est le bon Dieu qui le tenait. Le regard bleu sur Louis, c'est le bon Dieu qui l'éclairait. Ils sont partis vaille que vaille, mourir 4 ans dans les tranchées, et l'ont raconté leur bataille dans le salon après le thé. Et les lettres qu'attendait Louis, c'est le bon Dieu qui les portait. La guerre qui sépare Louis, c'est le bon Dieu qui la voyait. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cache, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. Si je vous garde Louise en place, c'est en cuisine, pas devant moi. Ma fille prie très fort pour que ça se fasse, ce que le curé m'a appris là. Et la honte que cachait Louise, c'est le bon Dieu qui l'a caché. Le soldat qu'attendait Louis, c'est le bon Dieu qui a vu tomber. Il y a 50 ans, c'était en France, dans un village de l'Allier. On n'accordait pas d'importance à une servante sans fiancé. Le deuil qu'a porté Louise, c'est le bon Dieu qui l'a porté. La vie qu'a travaillé Louise, c'est le bon Dieu qui l'a aidé. Elle est simplement magique, magnifique, cette chanson Louise Gérard Berliner sur Made in 80.
La Roche-Valmont, toujours avec nous en direct sur la radio officielle des années 80. La Roche-Valmont, toujours en pleine forme. Es-tu libre comme Max Laroche ? Eh oui, je suis libre comme Max d'Hervé Christiani. Et c'est effectivement une chanson aussi magique qui a toujours été programmée en radio. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport avec le directeur d'énergie qui s'appelait Max Guasini, mais en tout cas, cette chanson sortie en 81 a fait les beaux jours déjà de la radio énergie, et ça a même été l'hymne de la célèbre manifestation du 8 décembre 1984. J'y étais avec Dalida, Jean-Luc Lahaye sur le car podium qui ouvrait la manif, donc car la radio était menacée d'interdiction d'émettre. Ouais. C'est la première grande manifestation de jeunes qui a eu lieu dans les années 80. Il y en a eu d'autres ensuite. Alors, la chanson a passé 4 décennies en étant choisie par la pub Nico Patch. Ça a été aussi beaucoup chanté dans les colonies de vacances. Et Il est libre, Max, a été repris par Gérard Lenormand, Antoine, Vincent Delerme, Les Enfoirés aussi, avec Muriel Robin, Maxime Le Forestier et Jean-Jacques Goldman. Et puis aussi, il y a eu, c'est une grande consécration, un album dans les années 2000 qui est sorti avec 13 versions différentes du tube, alors dans tous les styles, rock, raga, jazz, disco ou rap. Voilà. Et donc, ça a permis à Hervé Christiani, qui était un chanteur plutôt traditionnel, quoi, qui passait dans des cabarets ou autres, de continuer à faire de nombreux concerts, en particulier dans les années 2000, évidemment, sur les tournées Star 80 et autres. Et on peut dire que c'est une chanson qui est complètement libre et qui est totalement hors des normes. Et c'est vraiment exceptionnel. Mais encore plus exceptionnel, je dirais, c'est François Feldman. Parce que il a le record du nombre de titres classés au top 50, et j'aurais voulu te dire, qui est sur le coffret chanté par Caroline Legrand, est l'un des 20 titres qui ont été classés par lui. Donc, cette année 89, François, il est lui-même numéro 1 avec les Valses de Vienne, numéro 2 avec Joupa, en duo avec Johnny Jamison, et numéro 9 avec Le Mal de Toi, ce qui est quand même assez fort. Et lui, non seulement il n'est pas l'homme d'un seul tube, ni même de tube des années 80, et parce que, et ça me fait vraiment plaisir, il cartonne en 2020 avec un album latino, qui est sur toutes les plateformes et en CD, et il fait un retour tout aussi fort que dans les années 80. J'en profite pour saluer Max Guazzini, mon ancien patron. Tu m'as fait repenser à Max Guazzini. Salut Max. Du côté de Cédric, ça se passe comment avec les réseaux sociaux, des réactions ? Oui, beaucoup de réactions, beaucoup de likes, beaucoup de personnes qui veulent gagner des compilations. Alors Laurent, je te propose d'appeler dans quelques minutes un auditeur ou une auditrice pour lui faire gagner une compilation 5 CD sans tube oublié des années 80. Allez, on fait ça. Il est libre, Max. Voici Hervé Christiani sur Made in 80. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu
voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de trappe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il les emmène par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Avec Made in 80, vous êtes libre comme Max. Pour écouter la pluie.
te dire. Caroline Legrand sur Made in 80. Et sans plus tarder, on va du côté du studio numéro 1 de Made in 80 avec Cédric qui, je crois, a une gagnante au standard. Laurent Laroche, on continue notre tour de France, si vous voulez bien. Rendez-vous en Bretagne avec Marie, une fidèle auditrice et une fan inconditionnelle des années 80. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Coucou, bonjour Cédric, bonjour Laurent, bonjour Laroche-Valmont. Et comme... bonjour, je voulais aussi dire bonjour à Hervé Alain, tonton Barthes. Et puis bah, bonjour à tout le monde, à tout le monde. Et puis bah, là, je suis un peu émue de vous avoir au téléphone parce que bah, je vous aime, je vous adore beaucoup. Et c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. Et, le plaisir c'est vrai est partagé. Bah, les années 80, et oui, c'est vrai que bah, ce matin, il y a beaucoup de titres qui sont vraiment émouvants, qui me touchent beaucoup, et bah, je rejoins un peu comment l'arrangement quand il disait qu'il y a certains titres qui donnent le coup de blues, mais c'est vrai. Alors Marie, aujourd'hui, on va vous offrir du muguet, bien sûr, et surtout une compilation, 5 CD, les 100 tubes oubliés, mais pas oubliés pour vous, des années 80, qui va vous parvenir prochainement. Merci Marie, on vous embrasse fort. Merci Marie, à très bientôt sur Made in 80. C'est très gentil. Vous êtes bah, des personnes honorables et vous êtes une radio super. Et grâce à vous, vous nous faites revivre tout ça. Et grâce à vous, j'ai pu découvrir au mois de décembre dernier un titre de Anne-Claire Ayouant que j'avais complètement oublié. Et grâce à vous, j'ai pu retrouver ce titre-là et je l'ai dans ma petite playlist YouTube. C'est pas pour rien qu'on est la radio officielle des années 80. Merci Marie. Laurent Laroche, la suite, c'est quel titre maintenant ? Ah, tu dis que tu l'aimes ? Je vois ça sur mon conducteur Laroche-Valmont. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Si tu me le dis, si tu me dis. D'accord. Non, alors là, on est dans les ovnis qui débarquent d'une autre planète, quoi. Tu dis que tu l'aimes, c'est L'M. Ah, ça me rassure. par un groupe qui s'appelle Dennis Twist, qui était composé d'auteurs de bandes dessinées comme Villemain de Charlie Hebdo ou Franck Margerin, le créateur du célèbre Lucien et Ricky Banlieue, c'était la BD. Alors pour s'amuser, ils avaient décidé de relancer le twist dans les années 80, ce qui était totalement improbable. Et tu dis que tu l'aimes restera 16 semaines dans le top 50 en 87, mais entre Boys de Sabrina et Viens boire un petit coup à la maison, c'était quand même assez difficile de l'imposer. Bon, alors il y a d'autres titres de ce genre qui sont des ovnis, et en particulier il y a Eric Morena qui avait lui tenté la même année de faire redécouvrir l'opérette avec Ô mon bateau juste après. Dennis Twist, retour en 1986 sur Made in 80. Tu dis que tu l'aimes. Elle me suit partout où je suis. Elle me regarde dans chaque miroir. Elle est partout. Partout où je suis. Partout où je suis. Elle te suit partout. Thank you.
viens près de toi. Radio numéro 1 sur les années 80, Made in 80. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Bonjour. Oh mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux. Et tu me guides sur les flots. Vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Avant tutte le tempete, si fa come da duete, je vuole, vers de fabuleux rivages, où je serai bientôt roi, j'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau, tu es le plus beau des bateaux. Le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les criolets, olé, olé, au bon bateau. Quelle voix extraordinaire! C'est vrai que c'est une grande, grande voix, la Roche-Valmont, hein, Eric Moreno. Oui, c'était surtout un grand allumé, t'imagines un peu, pour avoir envie de chanter ça. Plus que la Roche-Valmont? Plus que la Roche-Valmont ou pas? Oui, là, oui, moi j'étais complètement dépassé. C'est pour ça que j'ai pas su m'adapter et suivre l'ensemble de l'évolution de Lee.
Bon, mais revenons à des sons années 80. Il y a certains titres dance qui n'ont pas été des tubes aussi. Lesquels, par exemple? Pour parler de chansons comme « Quel souci, la Boétie », les gens du showbiz avaient une expression, ils étaient détournés du slogan « Canada Dry ». On disait « ça a la couleur d'un tube, le goût d'un tube, oui, mais ça n'est pas un tube ». Et en 1988, « Quel souci, la Boétie » de Claudia Phillips avait tout pour plaire, à mon avis. C'était une autre folie, mais moi qui me plaisais bien, c'était une rythmique très dense, des paroles déjantées, un refrain accrocheur, une chanson, alors avec un look complètement excentrique, et puis un clip très flashy. Il y avait plein de remixes qui ont été bien accueillis dans les discothèques, et ça suffira pas pour que ça devienne un tube, ça va comprendre pourquoi. C'est pareil pour Fuis Laurence d'Arabie, une voix exceptionnelle, un refrain entêtant, des arrangements très denses, qui pouvaient d'ailleurs faire penser un peu à Ève Lévetois pour la qualité. Un clip classieux, tourné en cinémascope, à la manière d'une bande-annonce d'un film, qui mettait en plus la beauté d'Annabelle, qui était connue des médias, car elle est la fille de Mouloudji. Donc, le titre entre évidemment au top 50 en juillet 87, mais ça culmine à la 12e place. C'était un été où, il faut dire, il y avait énormément de chanteuses qui étaient dans le top 50. Tu avais Madonna, Sabrina, Samantha Fox, et du monde. France Gall, Lio, Spagna, Patricia Cass, Vanessa Paradis, Corinne Charby et d'autres, certainement que j'oublie s'il t'en vient, mais c'était vraiment l'année des girls. Ah oui, je confirme. Merci Laroche. Dans un instant, Cédric, on prendra un auditeur ou une auditrice pour faire gagner une dernière compilation Génération Souvenir, tu confirmes? Allez, d'accord. Alors, on va essayer d'appeler une auditeur ou une auditrice pour lui faire gagner cette compilation. On a beaucoup de réactions d'ailleurs sur du monde entier, sur les réseaux sociaux, Belgique, Australie, et on salue le Canada qui est en force ce matin. Bonjour à tous et bienvenue sur la planète entière, effectivement, Medine80.fr. Quel souci, la Boétie, Claudia Phillips, suivie de Fuis Laurence d'Arabie. Oh non ! Ah si. Elle veut pas apparemment, hein, Claudia Phillips. A tout de suite sur Medine80. Le bien
in 80, la radio des années cultes. Made in 80. À la belle sur Made in 80, fuit Laurence d'Arabie. Et du côté standard, je crois que Cédric a une gagnante. Et oui, Laurent, effectivement, direction la ville de Saint-Étienne, à la rencontre de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, quel est votre tube préféré des années 80? Ça, c'est une question intéressante. Alors, un tube des années 80? Votre préféré? Alors, mon préféré, c'est Jean-Jacques Goldman, bien sûr, et la chanson, c'est En passant. D'accord, très beau titre. Envoie-le-moi, enfin, y en a plein d'autres, hein, de Jean-Jacques Goldman, il y en a tant, il y en a tellement, mais En passant, c'est une de mes préférées, oui. D'accord, et vous avez un petit coucou à faire à notre invité qui est en ligne et qui vous entend, La Roche-Valmont, qui est là avec nous ce matin sur Made in 80. Ben, oui, bien sûr, je lui fais un petit coucou, je lui souhaite une bonne fête du 1er mai. Ma star préférée des années 80, c'est quelqu'un de Saint-Étienne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez à un chanteur de Saint-Étienne des années 80? Allô? Oui, on n'a rien à gagner, hein, c'est juste une question. Marie, vous nous entendez toujours?
Ah, je vous entendais plus. Ah, Marie. Alors, je vous demandais quel est le chanteur de Saint-Étienne, son chanteur préféré, qui officie dans les années 80 et qui est de Saint-Étienne. C'était un blond, mon Dieu. je sais plus. Ah, ah non, c'est pas Jean-Pierre François. Ah, non, non. Moi, c'est Bernard Lavillier. Voilà. Il était mignon. Bernard Lavillier. Voilà. Et qui était peut-être bon, d'ailleurs, Jean-Pierre. Ah oui, moi. C'est un autre. C'est un joueur, je crois. Oui, c'est ça. Jean-Pierre François. Eh oui. Voilà, Jean-Pierre François. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. Donc, Saint-Étienne en force, dans les années 80. Il y avait Toulouse et Saint-Étienne. Voilà. Toulouse et Saint-Étienne, d'accord. Merci Marie, vous remportez bien évidemment la compilation 5 CD, les 100 tubes oubliés des années 80. Vous ne quittez pas, je vous reprends en antenne pour prendre vos coordonnées. Et on continue. D'accord. Merci Marie, à très bientôt. J'ai une question d'un auditeur pour La Roche-Valmont. À très bientôt Marie, merci beaucoup. Question pour La Roche-Valmont de la part d'un auditeur qui me demande quel est ton pronostic pour le match de cet après-midi pour le RC Lens? C'est on va gagner, on lâche rien. Très bien, on y croit. On va dire 1-2, donc puisque c'est PSG Lens, donc 1 pour PSG et 2 pour Lens. À la dernière minute, comme d'habitude, évidemment. Bon, La Roche-Valmont, si je te dis la danse des mots, que me réponds-tu? La danse des mots de Mondino passe beaucoup en radio et en télé grâce à un clip complètement déjanté et dans lequel apparaît d'ailleurs Caroline Loeb, 3 ans avant c'est la Watt. Parce qu'à l'époque, elle était styliste pour des clips et des pochettes de disques, mais enfin, elle était surtout une nightclubeuse abonnée au bain-douche et au palace, comme elle l'a raconté dans un livre superbe que je recommande à tous les auditeurs. C'est Mes années 80. Il y a à la fois donc des anecdotes sur l'ensemble des acteurs des années 80 et pas uniquement des chanteurs, il y avait des gens comme Jean-Paul Gaultier et puis aussi donc avec une très belle mise en page. Bon, à part ça, ça ne suffit pas pour faire un tube, la danse des mots n'a pas été vraiment dans le top 50. En revanche, les clips de Mondino pour les autres ont eu beaucoup plus de succès que le sien. Bon, il y a eu Cargo d'Axel Bauer, Un autre monde, et surtout l'excellent C'est comme ça d'Erita Mitsuko, qui obtient la victoire de la musique de la meilleure vidéo en 87. Merci La Roche-Valmont. Voilà. Et idem pour Des gens stricts d'animaux, qui est prévu de passer ensuite. C'est un clip signé Gérard Pulicino, là, qui est un spécialiste des émissions musicales, jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce qu'il signe encore Taratata. Oui. C'est un clip des clips sur M6, donc c'était certainement très bien, mais ça n'a pas suffi pour rester plus de 10 semaines dans le top 50. Merci La Roche. On te laisse faire le top horaire de midi? Il est midi sur Made in 80. La danse des mots Mondino sur Made in 80.
Danse sur ma tête, danse sur mes mains, je danse sur ma main, je danse la pantin. Danse le robot, je danse sur le blues, mais pas le disco, je danse sur les mots. Sur Made in 80. Nous avons pris notre temps ce matin, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail, on a un peu débordé, mais c'était très riche en culture, très riche en anecdotes. On n'a pas eu le temps de tout faire, donc on garde tout, et puis on va répondre à la demande des auditeurs, à savoir qu'on va refaire une émission numéro 2 très prochainement, courant du mois de juin, pour poursuivre ces magnifiques titres que l'on découvre ou qu'on l'on redécouvre grâce à cette compilation Génération Souvenir sans tube oublié des années 80. N'est-ce pas, La Roche ?
Exactement, avec plaisir, quand tu veux. Il faut juste que je prévienne mes amis, dont Jean-Pierre Morgan ou Richard Sanderson, à qui j'avais dit que nous allions parler d'eux et de leur titre, que ce n'est évidemment pas annulé, que nous allons faire une deuxième émission, comme tu viens de le dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu, d'avoir travaillé sur toutes ces anecdotes. C'était très riche en informations. Mille merci, La Roche-Valmont. Mille merci, Cédric, du côté technique, du côté standard et des réseaux sociaux. Oui, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont contactés sur Facebook. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Un petit coucou quand même à Martin, Stéphane, Corinne, Julie et Agathe. Merci, à très bientôt. Le son des années 80 continue. À 18h, c'est DJ Tosh qui sera là. Et à 22h, ça je vous conseille, un gros mix des années 80 avec Monsieur Guy Macquart qui sera là en direct live sur Made in 80 pour vous mixer le meilleur des années 80. À très bientôt, La Roche. Salut. Salut Cédric. Salut Laurent. Salut La Roche. Le look qui te colle à la peau.